Bonjour tout le monde, est-ce qu'on peut commencer? Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Alors, aujourd'hui, on va voir les ACL étendues. Donc, on a vu la fois passée les ACL standards. Donc, une ACL étendue, elle a pour identifiant, comme j'ai dit la fois passée, de 100 jusqu'à 199. Et aussi, de 2000 à 2699. 1699. Alors, une ACL étendue aussi, c'est une ACL qui permet un filtrage plus optimal, plus détaillé. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs attributs à saisir et à configurer au niveau d'une ACL étendue, contrairement à une ACL standard où on peut filtrer uniquement suivant les adresses IP sources. Alors, pour déjà créer une ACL étendue, donc ça ressemble un peu à l'ACL standard. Donc, on est en mode de configuration du terminal au niveau d'un routeur. Et on tape la commande IP access list extend. Ça, c'est le mot-clé pour dire que l'ACL qu'on va saisir est une ACL, qu'on va créer, pardon, est une ACL étendue. Et on saisit ici soit un ID, soit un nom pour créer soit une ACL étendue numérotée, soit une ACL étendue nommée. Donc l'ID, il varie de 100 à 199 au niveau de paquets traceurs. Et nommé, on peut saisir carrément une chaîne de caractères. Pour supprimer une ACL nommée ou bien numérotée, il faut juste retaper la commande et saisir le mot-clé no. Là pour supprimer une ACL étendue numérotée et là pour supprimer une ACL étendue nommée. Maintenant, quand on tape cette commande, que ce soit celle-là ou celle-là, on vient de créer une ACL étendue. Donc quand on crée une ACL étendue, on rentre dans le mode de configuration d'ACL étendue. Donc c'est config, la même chose que standard, sauf que le mot-clé standard est remplacé par le mot-clé étendue. Donc ici c'est EXT. Voilà, un ACL. Là c'est le mode de configuration d'ACL étendue. Alors ici, donc Naya, on va saisir l'ensemble des règles qui sont présentes au niveau de cette ACL. Même chose que l'ACL standard, la lecture au niveau du routeur, elle se fait de manière séquentielle du haut vers le bas. Et on a toujours une règle implicite qui est le deny any. Donc là, on a, première étape, c'est saisir l'action. Donc l'action, c'est soit permit ou bien deny. Donc soit j'interdis un flux ou bien j'autorise un flux. Après l'action, on a maintenant un nouveau champ qui est protocole. On peut faire en sorte d'interdire un flux de type X ou bien interdire un flux de type X aussi. Donc protocole, ça peut varier aussi. Donc on a comme protocole, on a IP. Par exemple, on a ICMP. On a TCP et on a UDP. Si on veut accepter le tout ou bien refuser le tout, il faut opter pour IP. Pourquoi? Parce que si on autorise des paquets IP, veut dire qu'on autorise aussi des segments TCP ou bien des datagrammes UDP. Pourquoi? Parce que les segments TCP et datagrammes UDP, ils sont présents au niveau d'un paquet IP. C'est en réalité la donnée
qui est présente au niveau du paquet IP. Donc si on accepte un paquet IP, veut dire qu'on accepte aussi les segments. Donc IP, on le saisit quand on ne spécifie pas exactement quel type de trafic on veut interdire ou bien autoriser. On en a d'autres, mais ceux-là sont la liste des protocoles qu'on va le plus utiliser. Après protocole, on a le champ source, puis destination, bien sûr. Donc là, on ne spécifie plus uniquement la source comme dans le cas des ACL standard. Voilà. Alors, source et destination, c'est la même chose qu'au niveau de l'ACL standard. Donc, ça peut être soit un réseau, soit un hôte, ou bien le mot-clé ENI pour dire le tout. Donc, c'est soit ENI, soit une adresse réseau avec un masque inverse, bien sûr, soit un hôte via le mot-clé host et adresse IP de ce hôte en question. Et puis on a un autre champ qui n'est pas, si on veut, obligatoire. Quand on met entre crochets comme ça, ça veut dire que c'est pas obligatoire. Là, on a ce qu'on appelle l'opérateur, puis le numéro de port. Alors, l'opérateur veut dire égal, inférieur ou égal, inférieur, différent. Donc pour égal, c'est le mot-clé equal, E, Q. Pour différent, c'est le mot-clé NE, not equal. Pour supérieur, c'est GT, greater than. Pour inférieur, c'est LT, less than. Pour supérieur ou égal, c'est greet or equal, GE. Pour inférieur ou égal, c'est less or equal. Et on a aussi le mot-clé range pour dire qu'on peut spécifier plusieurs numéros de port. Alors, les numéros de port, par exemple, ils vont intervenir. Donc, ce champ-là, on peut le saisir uniquement si on a protocole égal à TCP ou bien protocole égal à UDP. Quand on spécifie le protocole ICMP ou bien IP, c'est pas logique de saisir un numéro de port en question. Par contre, si on saisit TCP ou bien UDP, là, le numéro de port, si on veut, il a un sens. Donc, par exemple, pour TCP, ça peut être des numéros de port pour les protocoles HTTP, donc tous les protocoles de niveau 7 qui interagissent avec le protocole TCP. Pour UDP, par exemple, c'est tout ce qui est DHCP, DNS. Donc, Hadouma, vous êtes censé les connaître. Mais sinon, au niveau de paquet tracer, si vous tapez votre commande jusqu'ici et là, vous saisissez un point d'interrogation, ou là, vous saisissez d'abord l'opérateur et puis vous saisissez un point d'interrogation, il va vous lister tous les numéros de port que vous pouvez saisir. Donc, vous pouvez saisir le numéro de port soit via son numéro, ça, par exemple pour DNS, vous allez saisir 53, ou là carrément vous saisissez le nom de l'application en question. Vous écrivez DNS, c'est aussi ça marche. Voilà donc pour la syntaxe globale. Vous pouvez faire créer autant de règles que possible. Donc tout dépend ce qu'on vous demande au niveau de l'ACL. Et pour l'appliquer, donc c'est la même chose que l'ACL standard. On l'applique toujours au niveau d'une interface, donc config if. Et on a le mot-clé IP access group. Ben, on a ici soit l'identifiant de l'ACL étendu ou bien le nom de l'ACL étendu, in ou bien out. Ça veut dire que soit on filtre le trafic entrant au niveau de cette interface du routeur, soit le trafic sortant. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Très bien. Maintenant, on va passer à une application. Donc, on va créer un réseau assez simple, constitué par exemple de trois routeurs, de quelques réseaux. Et on va donner des exemples de règles, c'est-à-dire que par exemple à l'examen on vous donne des règles, on vous dit par exemple réseau 1 ne peut pas joindre le réseau 2 via des pings, des choses comme ça, et via les règles qu'on vous donne, vous essayez de créer les ACL. Déjà vous choisissez au niveau de quel routeur vous créez l'ACL,
vous écrivez les règles en question et vous choisissez au niveau de quelle interface vous allez appliquer cette ACL, que ce soit en mode in ou bien en mode out. Alors, on va d'abord créer la topologie. Alors, on va mettre trois routeurs. On va mettre ici un réseau et ici un réseau, ça suffit. Des équipements terminaux. Voilà. On va câbler. Voilà. Bon, là, on garde Serial 3 slash 0 pour plus de facilité. Voilà. Alors, HEDA, c'est le réseau 1.0, par exemple. Passerelle 1.10. Voilà. L'interface 0 slash 0, ça sera la passerelle. On utilise l'interface graphique pour être plus rapide. Ça sera le réseau 2. Ici 2.2 avec une passerelle 2.10. On configure l'interface. Voilà. Même chose ici, ça sera le réseau 3.0. Et on configure aussi cette interface. Voilà. Maintenant, là, on va faire le réseau 4 et là, le réseau 5. Donc, la sériale 2 slash 0, ça sera 4.1. Donc, ici, ça sera 4.2. Et la 3 slash 0, ça sera le réseau 5, donc 5.1. Et de l'autre côté, ça sera 5.2. On configure juste après un routage statique au niveau des trois routeurs. Alors, ce routeur connaît le réseau 1 et 4, il ne connaît pas les réseaux 2, 3 et 5. Donc, IP route. Donc, il passe par l'adresse du routeur voisin qui est la 4.2. Réseau 2, réseau 3 et réseau 5. Au niveau de ce routeur, c'est à peu près la même chose. Alors, il connaît le réseau, Naya c'est normalement le 3, ouais. Il connaît le 3 et le 5, donc il ne connaît pas le 1, le 2 et le 4. Et il passe par l'interface du routeur voisin qui est la 5.1. Le 1... le 2 et le 4. Quant à ce routeur, il connaît le réseau 4, 5 et 2. Ouais, il connaît pas le 1 et le 3. Donc le 1 et le 3, ils ont des chemins différents. .1.0. Alors, pour aller au réseau 1, on passe par cette interface. Donc c'est la 4.1. Et pour aller vers le réseau 3,
On passe par la 5.2. Voilà. Maintenant, on va tester les différents pings. Voilà. Ça marche. Donc, on a un réseau qui est... on a un réseau où la communication est faisable à 100%. Maintenant, on va créer des ACL étendus. Donc, on va d'abord donner des règles. Et suivant ces règles, donc si on veut, c'est un paragraphe ou c'est une phrase. Et suivant la règle en question, on va créer l'ACL approprié. Donc, par exemple, règle numéro 1, c'est quoi? C'est de créer une ACL étendue qui va permettre au réseau, donc réseau 1.0 par exemple, peut joindre un serveur DHCP. Donc on va faire en sorte que le serveur DHCP, ça soit le routeur 1, bon, routeur 0, uniquement pour récupérer sa config réseau. Alors, faire en sorte que le réseau 1.0 puisse joindre un serveur DHCP uniquement pour récupérer sa config réseau veut dire qu'il ne pourra pas le joindre par exemple via un ping. Il ne pourra pas le joindre par exemple via une liaison TCP. Vous avez une coupure? Est-ce que vous arrivez à m'entendre maintenant? Voilà. Alors, comme j'ai dit, la règle est la suivante. C'est de faire en sorte que le réseau 1.0 puisse joindre un serveur DHCP uniquement pour récupérer sa config réseau. Ça veut dire récupérer son adresse IP, le masque et la passerelle par défaut. Donc, à votre avis, déjà, toujours, à l'examen, vous aurez toujours des règles de ce style. La première étape, c'est quoi? C'est de voir est-ce qu'on va créer une ACL standard ou bien étendue. Voilà, ça c'est la première étape. Deuxième étape, c'est choisir le routeur en question. Au niveau de quel routeur je crée cette ACL. Troisième question, c'est quelles sont les règles? Les permit et deny, etc. Est-ce que je mets une, deux, trois ou plusieurs? Quatrième étape, c'est de spécifier l'interface. Et cinquième étape, c'est de spécifier la direction. In ou bien out. Alors, à votre avis, pour réaliser cette règle, quel type d'ACL déjà on va utiliser? Étendu, pourquoi? Parce que là, on est en train de spécifier un flux donné. Donc, on dit qu'on peut joindre le serveur DHCP uniquement pour récupérer une configuration réseau. Déjà, quand on lit cette phrase, on va comprendre que la connexion entre les PC et le serveur DHCP, ça sera uniquement des datagrammes UDP. Pourquoi? Parce que UDP travaille avec DHCP, pardon, travaille avec UDP. Deuxième question, choisir le routeur. Donc, à votre avis, ça sera au niveau de quel routeur? Donc, la règle concernant les ACL étendus, c'est de les mettre le plus proche de la source. Contrairement aux ACL étendus, où on les met le plus proche de la destination parce qu'on ne spécifie pas la destination au niveau des ACL standards. Notre source, c'est quoi? La source, c'est ces PC-là. Donc, le routeur qui est le plus proche à ces PC, ça sera le routeur 0. Voilà. L'ensemble des règles qu'on va écrire au niveau de cette ACL. Donc, si on était en mode de configuration d'ACL, ça serait quoi comme règle? Donc, puisqu'on dit que les PC du réseau 1.0 peuvent joindre le serveur DHCP, ça veut dire qu'on va mettre un permit déjà. Permit, après UDP, on va permettre au réseau 1.0, veut dire adresse, plus le masque,
Et la destination, ça sera quoi? Ça sera le serveur DHCP. Donc, dans un instant, on va le configurer en tant que serveur DHCP. Donc, ça sera l'adresse 1.10. Donc, quand on saisit cette commande, on dit qu'on va permettre tous les datagrammes UDP. Mais les datagrammes UDP qu'on veut permettre, ça doit être uniquement des datagrammes qui sont en relation avec DHCP. Donc, on doit, si on veut, spécifier les numéros de port pour DHCP. Donc, on va mettre un equal et là, on va mettre le numéro de port qu'on va chercher au niveau de packet tracer. Donc, normalement, c'est boot PC et boot PS. Donc, on va créer cet ACL. Alors, IP access list extend. Donc, on met un nom ou bien un ID. On va mettre DHCP. Enfin, avant cela, on va d'abord configurer ce routeur en tant que serveur DHCP. Donc, on va créer un pool. Donc, IP DHCP pool, on va le nommer SSI par exemple. Pour le réseau 1.0, donc on va spécifier le réseau. 8.1.0 plus le masque. Et on spécifie la passerelle par défaut. Default router. 1.10 pour qu'il leur donne cette passerelle-là. Déjà, on va le tester. Alors, on va changer de statique à DHCP déjà. Voilà. DHCP, il fonctionne. Voilà, il leur donne des adresses du pool. Maintenant, on revient à l'ACL. Voilà, on va mettre permit UDP 1.0 plus le masque et on met l'hôte. Point 1.10 et là j'ai dit on va mettre un equal pour le numéro de port concernant DHCP. On va mettre un point d'interrogation. Vous avez ici tous les numéros de port en relation avec UDP. Donc vous avez pour DHCP, c'est celui-là normalement. C'est Bootstrap pour client et serveur. Donc là on doit spécifier deux. Puisqu'on doit spécifier deux, il faut utiliser le mot-clé range comme j'ai dit. Donc boot PC et boot PS. Voilà. Et vous avez ici d'autres protocoles. Si on avait tapé par exemple TCP, quand on tape le point d'interrogation, ça va changer. Regardez. Pour TCP, vous avez FTP, vous avez SMTP, vous avez Telnet, etc. Donc il vous donne Pour chaque type de protocole au niveau de la couche transport, il vous donne la liste des numéros de port qu'il faut utiliser. Donc voilà pour notre ACL. Maintenant, il faudra l'appliquer au niveau d'une interface. Donc à votre avis, ça sera laquelle? Au niveau de quelle interface de R0, on devrait... Oui, 0.10, donc c'est la Fast Ethernet 0/0. Donc IP Access Group, on l'a nommé, je pense, DHCP. Voilà, DHCP. Est-ce que ça sera un flux entrant ou bien sortant? In, bien évidemment, parce que ça sera les PC qui vont joindre ce serveur. In. On va maintenant tester notre ACL. On va rebasculer vers le statique et on va basculer vers le DHCP pour voir si vraiment les PC peuvent récupérer leur adresse. Ça ne marche pas. Alors, pourquoi, à votre avis, ça ne marche pas? Donc, il y a une raison pour laquelle ça ne marche pas. Non? Alors, quand on demande une adresse IP au tout début, si on est un PC qui est en train de demander une adresse IP, forcément on n'a pas d'adresse IP. Et qu'est-ce qu'on fait? On va faire tout l'échange DHCP, donc DHCP request, offer, acquittement, etc.
Donc, de base, le PC, quand il n'a pas d'adresse, il est identifié par l'adresse 4 fois 0, donc 0.0.0.0. Et le serveur DHCP, il va toujours répondre par des adresses de broadcast. Donc, quand on a mis cette règle au niveau de la CL, veut dire qu'on va permettre uniquement cela. Donc, il y a une, si on veut, une règle implicite qui est le deny any et any. On interdit le tout, donc deny IP normalement, voilà. Deny IP et ni ni. Donc si au tout début on ne peut pas faire en sorte qu'il y ait ce mécanisme de DHCP request, offer, etc., donc carrément on ne va pas avoir cette adresse IP en question. Donc avant cette règle-là, il faut d'abord mettre une autre règle qui est permit UDP. Donc on va mettre host 4 fois 0. Donc on suppose qu'au tout début, les PC n'ont pas d'adresse. Et destination, ça sera l'adresse de broadcast. Et toujours, on met les mêmes numéros de port. Voilà. Donc, on va ressaisir l'ACL. Donc, ce qu'il faut faire, par exemple, puisque là, au niveau de l'ACL, on a déjà saisi de la règle. Si on va saisir cette règle-là, elle va se mettre en seconde position. Et quand elle se met en seconde position, c'est faux. Elle doit se mettre à la première position. Donc il faut carrément supprimer la règle, puis saisir la nouvelle règle, puis saisir la deuxième règle. Donc on rentre dans le mode de configuration de la CL. Voilà. Et la règle qu'on a tapée, on va la précéder par un no, qui sera en seconde position après. Donc on va mettre un permit UDP host plutôt broadcast. Bon, on aurait pu mettre 4.0, on aurait pu mettre aussi un any, c'est pas faux. Voilà, et là on met range, les deux numéros de port en question. Boot PC normalement et boot PS. Et là on retape la commande, la règle qu'on a tapée au tout début. C'est celle-là, pour permettre après la communication entre les PC et le serveur DHCP uniquement pour récupérer leurs adresses. On réessaye maintenant. Elle est déjà appliquée la CL. Voilà, maintenant ça remarche. Et si on fait un ping, ça ne devrait pas marcher. Regardez, les PC ne peuvent pas joindre le serveur DHCP pour une autre raison. Yani, soit via une connexion TCP ou bien ICMP, ils peuvent joindre le serveur DHCP uniquement pour récupérer leurs adresses. Donc, ça sera via des datagrammes UDP avec des numéros de port propres au protocole DHCP. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Pas forcément. Donc, ça dépend ce qu'on veut faire. On a fait in parce que les PC, ils sont ici. Donc, au niveau de cette interface, on va recevoir un flux de la part de la source. Donc, toujours la direction, elle est en fonction de la source. Si par exemple ils étaient là, ça serait au niveau de cette interface et ça serait aussi in. Out, c'est pour tout ce qui est trafic qui va sortir du réseau. Donc, pour chaque règle, si on veut, il y a une ACL concrète. La première règle, elle fait quoi? Si on ne la fait pas, parce qu'au tout début, les adresses, ils n'ont pas d'adresse. Les PC, pardon, ils n'ont pas d'adresse. Et la communication entre ces PC-là et le serveur pour faire tout le processus DHCP, il va se faire en diffusion. Le serveur DHCP, puisqu'il ne connaît pas la destination, il va envoyer des broadcasts. Si on ne la met pas, il ne pourra pas envoyer des broadcasts. Donc, il sera au niveau du deny. Et donc, forcément, il pourra pas envoyer la configuration réseau à l'équipement en question.
Vous avez remarqué, quand on l'a saisie la première et on a essayé d'activer DHCP, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que le processus d'offre, il ne peut pas se faire et donc le PC ne peut pas avoir une adresse IP. On va maintenant désactiver cette ACL toujours pour passer à une autre. Donc ça sera IP Access Group, no IP. DHCP in. Maintenant, si on reteste le ping, bien sûr, il marche. C'est bon, il n'y a plus d'ACL qui fait en sorte que uniquement le réseau 1.0 puisse joindre le serveur DHCP pour récupérer son adresse IP. On va faire un deuxième exemple. Par exemple, on va donner une deuxième règle. Deuxième règle. Par exemple, elle va dire que le réseau 2.0 ne peut pas être pingé depuis le réseau 3.0. Alors, le réseau 2.0 ne peut pas être pingé depuis le réseau 3.0. Alors, donc HEDA, c'est le réseau 2 et ça, c'est le réseau 3. Et voici la règle en question. Donc déjà, à votre avis, on choisit quel type d'ACL? Bien sûr, parce qu'on spécifie un protocole, donc on ne peut pas opter pour standard. Aussi parce qu'on a une source et une destination, chose qu'on ne peut pas configurer au niveau d'une ACL standard. Mais on va l'appliquer ou bien la créer au niveau de quel routeur? Donc, est-ce que c'est bon, forcément c'est pas celui-là. Donc est-ce qu'on va la créer au niveau de routeur 1 ou bien de routeur 2? Pourquoi? Donc si vous dites 1, pourquoi? Si vous dites 2 aussi, pourquoi? Expliquez, donc développez votre idée. Hier, il y a une règle concernant les ACL étendues, c'est qu'on les met le plus proche de la source. C'est ce qu'on dit. R2, il est plus proche de quoi? Déjà, quand on lit la règle, on dit que le réseau 2 ne peut pas être pingé depuis le réseau 3. Ça veut dire que c'est le réseau 3 qui va pinger le réseau 2. Donc, c'est le réseau 3 qui est considéré comme étant la source. Et puisqu'il est considéré comme étant la source, donc il est là le réseau 3, donc le routeur le plus proche de la source, c'est routeur 2. Donc on va créer l'ACL étendue au niveau de routeur 2. Ok, on a trouvé le routeur. Maintenant, quelles sont les règles qu'on va saisir au niveau de cette ACL pour faire en sorte qu'elle obéisse à cette règle-là? Déjà, quand on dit on ne peut pas pinguer, déjà, on sait qu'on aura le mot-clé deny. Oui? On va faire un deny de quel protocole maintenant? Oui, deny ICMP. On dit que le réseau 3 ne peut pas pinguer le réseau 2, donc la source, c'est le réseau 3, avec son masque. La destination, c'est le réseau 2. Voilà. Puisqu'on a ICMP, on ne peut pas spécifier un numéro de port, parce qu'on n'est pas au niveau transport. Est-ce que, à votre avis, cela est suffisant? Donc, cette règle-là, elle est correcte. Et la règle, elle dit que le réseau 3 ne peut pas envoyer des messages ICMP au réseau 3, ne peut pas envoyer au réseau 2. Mais si on la met et on ajoute à la fin la règle implicite, qui est toujours le deny any any. Mantra, carrément, on va tout interdire. Maintenant, on veut faire en sorte que
le réseau 3 ne puisse pas pinguer 2, mais il puisse, par exemple, communiquer avec lui via un autre protocole. Voilà. Il faut mettre un permit. Donc, permit. Alors, comme a dit Wesley, la permit any, mais il faut bien évidemment ici spécifier un protocole. Exactement. Permit IP any. Donc, on va uniquement interdire cela. Dès que le routeur commence à lire, si celle-là elle est vérifiée, il s'arrête. Mais si celle-là elle n'est pas vérifiée, il va permettre le reste. Donc, toujours quand on a un deny, il faut à la fin saisir une règle de type permit any pour dire que j'interdis uniquement cela. Si je la mets pas, il y aura celle-là qui va être exécutée à la fin, toujours. Donc, on va carrément tout interdire. Donc, on va créer la CL au niveau de R2. Alors, IP access list extend, on va la nommer ping refus, par exemple. Deny ICMP 68. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? 3, voilà. Le réseau 2. Voilà, et on met un permit IP any. Maintenant, il faut spécifier l'interface au niveau de laquelle on va activer cette ACL. Donc, ça sera au niveau de quelle interface? Au niveau de R2. Donc, est-ce que c'est au niveau de l'interface Fast Ethernet ou bien l'interface série? Oui, au niveau de l'interface Fast Ethernet. Pourquoi? Parce que dès qu'un des PC au niveau du réseau 3 tente de joindre le réseau 2.0 via un ping, déjà ici on va lui refuser le ping. Donc forcément ça sera aussi un trafic entrant au niveau de cette interface. Alors IP access group ping refus in. On va tenter les pings. On va supprimer. Voilà. Les pings ne marchent pas depuis le réseau 3. Si on teste le ping ici, il marche. Voilà. Donc tous les pings. Le réseau 2 peut recevoir tous les pings sauf du réseau 2.0. Aussi, pour voir réellement qu'il y a uniquement ICMP qui est, si on veut, refusé, par exemple, on va créer, activer Telnet au niveau de ce routeur. Alors, line VTY 0 jusqu'à 15. Password SSI par exemple et login. Ça veut dire que maintenant ce routeur il est accessible via Telnet. On va essayer d'accéder à Telnet au niveau de cette interface. Head l'interface, c'est la 2.10. Pour réellement voir qu'on peut accéder en Telnet à cette interface, on peut juste ne pas pinger cette interface. Donc Telnet 2.10. Regardez, je peux accéder à Telnet. Bon, j'ai pas mis un enable, c'est rien. Maintenant, si je veux pinguer cette interface, normalement je ne pourrais pas. Regardez, je ne peux pas la pinguer, je peux pas envoyer des paquets ICMP. Par contre, je peux accéder au réseau via Telnet. Je peux accéder au réseau en utilisant un autre protocole qui est différent de ICMP. Donc là, on voit réellement que la règle elle est appliquée. Est-ce que vous avez des questions? Parfait. Bon, on va d'abord bien évidemment désactiver l'ACL pour qu'il n'y ait pas des problèmes. Voilà, on met un no IP access group. On va retenter le ping. Maintenant, il marche. Il n'y a plus d'ACL qui est en train d'interdire le ping vers le réseau 2.0.
On va saisir une troisième règle, par exemple. Alors, règle 3. Par exemple, on va faire en sorte que le réseau 3.0 n'arrive pas à accéder à n'importe quel équipement via Telnet. Alors, on fait en sorte que le réseau 3.0 ne puisse pas accéder à n'importe quel équipement via Telnet. Ça veut dire qu'on refuse carrément Telnet pour le réseau 3.0. Alors, déjà, quel type d'ACL on va opter pour? Oui, comme il l'a dit Faisal, si on ne met pas le permit any, on va appliquer le deny any qui est une règle implicite. Voilà. Si on a, regardez, au niveau d'une ACL, si vous avez une ACL qui débute par deny, si on a un deny quelque chose, maintenant tout le reste aussi il va être refusé. Mais quand on met au niveau d'une ACL un permit, mais quelle heure on met le deny any? Il est implicite. Ça veut dire qu'on va permettre uniquement ce qu'il y avait au niveau de la règle. Oui, il faut mettre le mot-clé IP. Donc, quand on met protocole IP, veut dire le tout. Parce que IP, il englobe TCP, UDP, les différents numéros de port au niveau de TCP, au niveau d'UDP, etc. Parce que le paquet, il contient le datagramme UDP ou bien le segment TCP. Alors, oui. Là, on ne peut pas mettre un permit any, il faut mettre permit protocol any. C'est ça la syntaxe d'une ACL étendue, regardez. Sauf ça qui n'est pas, on n'est pas obligé de le mettre. On peut par exemple interdire tous les segments TCP, pas la peine de spécifier. Voilà. Alors, comme il a dit votre camarade, c'est une ACL étendue qu'on va créer. Au niveau de quel routeur on va activer, on va créer cette ACL, on a dit que le réseau 3, on va lui refuser le protocole Telnet. Il pourra accéder en Telnet à aucun équipement. Donc au niveau de quel routeur? Exactement, routeur 2, parce que la source, c'est le réseau 3. C'est le réseau 3 qui va essayer d'accéder en Telnet. Et quelles sont maintenant les règles qu'on va saisir? Voilà. Déjà, quand on dit R3 n'arrive pas à accéder, déjà on va débuter par le mot-clé deny. Source, protocole, ça sera quoi? Puisqu'on parle de Telnet, voilà, donc on parle de TCP. Puis la source, bien évidemment, c'est le réseau 3. Avec son masque. Et la destination, ça sera quoi? On dit que, oui, deny, TCP, la source c'est le réseau 3, et on dit que réseau 3 ne pourra pas accéder à n'importe quel équipement. On a déjà le mot n'importe, veut dire any. Et après, si on laisse tel quel, veut dire qu'on va refuser tous les segments TCP. Là, on veut refuser uniquement, voilà. Donc on met equal 23. Donc vous connaissez déjà le numéro de port de Telnet. Si vous ne connaissez pas, vous tapez ici point d'interrogation pour avoir le numéro. Donc vous pouvez aussi taper carrément comme ça Telnet ou bien port 23. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait après? Si on laisse tel quel, on va interdire le tout. Donc il faut faire le permit IP any. Parfait. On va créer l'ACL au niveau de R2. Alors, Telnet refus. Alors, deny TCP 168.3.0 any equal
Regardez, là j'ai le numéro de port de Telnet. Permit IP Any In. Maintenant, je l'applique au niveau de quelle interface? Oui. IP Access Group, Telnet refus, in ou bien out. Bien évidemment in. Donc ça sera le flux entrant au niveau de cette interface qui va être filtré. Exit. Maintenant on va bien évidemment tenter maintenant d'accéder en Telnet. On a déjà configuré R2 en Telnet, on va essayer d'accéder. Voilà, le Telnet ne marche pas. On va essayer de pinger l'interface. Voilà, le ping marche, mais l'accès en Telnet ne marche pas. Si on avait par exemple même au niveau de la topologie un serveur HTTP par exemple, on aurait pu accéder au serveur HTTP via des segments TCP, mais on ne peut pas accéder à Telnet. Donc, pourquoi? Parce qu'on a spécifié equal 23. On va dire qu'on va interdire uniquement les connexions Telnet et pas tous les segments TCP. On va désactiver l'interface, l'ACL. Maintenant, par exemple, on va saisir une dernière règle. Règle numéro 4. Alors, on va faire en sorte que le PC 4, donc celui-là, par exemple, puisse administrer le routeur R0. Alors, plutôt, on va taper la commande seul. Seul le PC 4 peut administrer le routeur R0. Alors, déjà, étendu ou bien standard. Étendu parce que... Pourquoi ? Voilà, parce qu'on a une source et destination. Ici, protocole, quand on dit administrer, veut dire quoi? Administrer veut dire qu'on peut accéder via tous les protocoles possibles. Donc là, c'est IP. Et imaginons que ce soit un autre protocole. Vaut mieux spécifier ici IP. On n'a pas dit accès à distance. On utilise une ACL étendue. Pourquoi? Parce qu'on a une source précisée et une destination précisée. On l'applique maintenant au niveau de quel routeur? Donc, PC4 administre R0. La source, c'est PC4. Donc, le routeur le plus proche de la source, c'est R2. Voilà. Donc, on va la créer au niveau de R2. Et aussi, quelles sont maintenant les règles à saisir. Oui, peut-être que c'est tout ce qu'on connaît, mais sinon c'est pas précisé. Si on avait dit par exemple administrer à distance, là ok. On aurait pu le mettre sur R0. Lequel? Celui-là. Mais Hedero est la cible. C'est R0, c'est la destination. Alors, les règles, ça sera quoi? Donc déjà, quand on dit « il peut administrer », déjà, c'est un « permit ». Pourquoi TCP? Oui, permit IP. La source, ça sera quoi? PC4, donc hot.3.1.
il peut administrer quoi? Il peut administrer R0. Et donc, on va spécifier comme destination, ça sera quoi? Ça sera l'adresse de R0. Mais R0 a deux adresses. Il peut être joint via 1.10 ou bien 4.1. Donc, on fait quoi? Alors, on ne peut pas mettre un range au niveau de source et destination. Carrément, on va saisir deux règles. Donc, wahda pour 4.10 et wahda pour l'autre, j'ai oublié. 4.10, 1.10 et 4.1. Donc, on va carrément saisir deux règles. D'accord. Deux permits. Là, on met la première. Et là, on met la seconde. Comme ça. Ça veut dire que PC4, il peut joindre, administrer le routeur soit via cette interface ou bien cette interface. S'il avait 3, on aurait mis aussi 3 règles. Permit, même source, sauf la destination qui change. Qu'est-ce qu'on ajoute? Alors, bon, pour ça, c'est bon. Maintenant, vu la topologie, PC4 ne peut accéder à R0 que via Serial. Oui, mais s'il fait, par exemple, comme tu dis, toi, Marbella, tu dis Telnet. Il aurait pu mettre un Telnet. Ah, il n'y a pas de partage. Pardon. Par exemple, quand on accède dans SSH ou bien en Telnet, on peut soit utiliser une interface d'un routeur ou bien l'autre. C'est pour ça que j'ai spécifié les deux. Oui, comme ça, on n'empêche pas les autres. Bon, on ajoute un deny. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que PC4 est le seul à pouvoir administrer R0. Donc, ça sera un deny. Deny. IP. Host, toujours celui-là. Attendez. Si on met un deny any, on veut faire en sorte que les autres ne puisse pas accéder à 4.1 et à 1.10. Donc on met un deny, any et host. On n'ajoute rien. Mais si on laisse tel quel, veut dire que les autres, je sais pas. Oui, le deny implicite existe.
Oui, je. Mais par exemple, puisque là on est en train de l'appliquer ici, c'est vrai qu'on veut faire en sorte que sur le PC4 puisse accéder à R0, mais enfin. Enfin, je pense oui que vous avez raison. Je pense qu'il faut mettre uniquement ça. C'est toujours Samy. Attendez, qui a dit ça? Oui, s'il l'a dit, on va encore lui ajouter, hein. Qu'est-ce qui a parlé? Qu'est-ce qu'il a dit le premier? Le premier qui l'a dit, il doit avoir le plus 0,5. Oui, c'est pas la peine. Oui, je pense que c'est ça, mais toujours. D'accord, c'est plus 0,5. Vous avez un point. Vous avez accumulé un point. Bon, on va tester comme tel. Alors, IP access list. Admin, par exemple. Extend, pardon. Alors, permit IP. Voilà. 192.168.3.1. Host et host.1.10. Et la deuxième adresse, c'est 4.4.1. Et on l'applique. Et on l'applique à quel niveau? On l'applique au niveau de quelle interface de R2? Toujours, parce que la source, c'est le PC4. IP Access Group Admin, toujours in. Voilà, on va essayer. Donc, PC4 est censé pouvoir joindre R0. PC5 n'est pas censé pouvoir joindre R0. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Si on avait dit administrer à distance. Si on avait dit administrer à distance, si on avait spécifié telle lettre, on aurait mis permit TCP equal 23 et permit TCP equal le numéro pour SSH aussi. Mais quand on n'a pas spécifié, il vaut mieux mettre IP. Le deny veut dire que le reste il est refusé au niveau de R2. Regardez. Le PC n'arrive pas à joindre. S'il y avait même un autre PC, il n'aurait pas pu aussi joindre. Ça n'empêche pas les autres de l'administrer. Veut dire, ah, tu parles de ces PC, oui. Pour cela, il faut aussi créer une ACL ici et mettre un deny any. Host 4.1, deny any, host 1.10, ouais. Autant de réseaux qu'on a. Là, on met any, on veut que personne ne puisse l'administrer. On ne peut pas créer une seule ACL au niveau de R0. R0, donc tu parles de celui-là.
Mais si tu la crées ici, donc tu la mets au niveau de la destination, ça devient une ACL standard. Faisable. Mais si par exemple, si on suit ce qu'a dit votre camarade, si on avait dit administration à distance, là, on ne pourra pas spécifier par exemple, administration via Telnet, on n'aurait pas pu le spécifier via une ACL standard. Donc on aurait permis pour PC4 par exemple le tout. On aurait permis IC1P, Telnet, le tout. Oui. C'est faisable aussi, oui. Puisque personnellement, je vous ai dit qu'administrer veut dire permit IP. Donc on aurait pu aussi créer une ACL étendue, standard. Et dire permit host. Voilà. Mais si on a dit administration à distance, là on est obligé de passer par trois ACL, quitte à mettre autant d'ACL que de réseaux qui existent au niveau de la topologie, juste pour interdire. Donc maintenant c'est tout dépend de l'exercice. Donc ce qu'il faut retenir, c'est quand on spécifie un protocole, si on spécifie un numéro de port, ou bien si on spécifie une source et une destination, là on est obligé de travailler avec des ACL étendues. Et la règle dit que l'ACL étendue doit être le plus proche de la source et l'ACL standard doit être le plus proche de la destination. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, on a fait un petit exemple. On a saisi quatre règles. Les options pour le paquet IP. Tu parles de quelle option? Opérateur? Opérateur et numéro de port? Alors, au niveau, si on met IP, il n'y a pas d'opérateur. Voilà, si on veut IP, c'est un ENI pour protocole. Oui. Alors, regarde, si tu mets par exemple, on va créer une ACL juste pour voir. Voilà. Alors, IP access list. Extend SSI par exemple, permit IP any any. Regarde là. Là par exemple, tu mets equal, regarde, il n'y a pas. On peut pas. Ce qu'on a entre crochets pour equal plus numéro de port ou bien not equal ou bien range, etc., ça n'existe pas pour ICMP et pour IP par exemple. Pour TCP, UDP, si, le port, il prend son sens. Vous voyez? C'est pour ça que quand j'ai écrit la commande, j'ai mis ça entre crochets. Et même pour TCP et pour UDP, on peut aussi ne pas le spécifier pour dire que j'interdis tous les segments TCP, j'interdis tous les datagrammes UDP, quel que soit le numéro de port qui est saisi. Ah oui, donc les options, personnellement, je ne les connais pas. Vous parlez de ça. IP. Vous parlez de DSCP et de précédence. Non, personnellement, ça, je ne connais pas. Y a quelqu'un qui arrive maintenant. Eh ben, dis donc. Oui, perso, je connais pas. On peut chercher si vous voulez, mais sinon, pour l'objet, ce TP, c'est ce qu'il faut apprendre. Vous allez revoir, comme j'ai dit, les ACL. Non, déjà, quand il nous a dit, regardez, hein, quand il nous a dit que le ENI, c'est IP, déjà ça, normalement, on lui ajoute encore un 0,25. Alors, vous allez revoir les ACL au niveau du module. Contrôle trafic réseau, sécurité contrôle trafic réseau l'année prochaine. Vous allez voir,
Vous allez revoir les ACL étendues comme prérequis et vous allez aborder les ACL complexes, dynamiques, réflexives et datées, je pense. Voilà. Donc, ce sont des ACL complexes, elles sont basées sur les ACL étendues, mais offrent plus d'options de filtrage, comme pour dater, où on peut, par exemple, interdire un trafic, par exemple, en weekdays, ou durant les jours de semaine, ou là, en week-end, ou là, pendant une horaire précisée pour chaque jour. Par exemple, toujours de midi à 1h, je permets le trafic uniquement. Vous voyez, pour les ACL dynamiques, c'est une ACL win. Pour accéder, il faut d'abord s'authentifier. Et pour les ACL réflexives, c'est permettre uniquement un trafic qui a été initié depuis l'intérieur. Donc ça, vous allez les voir en détail l'année prochaine. Les ACL nommés, on les a vus. Donc quand je mets IP Access List Extend, puis un nom pour une ACL, ça c'est une ACL nommée. Et si je mettais ACL Extend ACL par exemple 100 ou bien 101, veut dire que j'ai créé une ACL étendue avec un identifiant égal à 101. Donc nommé ou numéroté, c'est à peu près la même chose. Juste au niveau de l'application de l'interface de l'ACL au niveau de l'interface, je spécifie soit l'ID ou bien le nom. L'ID, il dépend du type de l'ACL. Si vous avez une ACL standard, ça va de 0 à 99. Et pour les ACL étendues, ça va de 100 à 499. Ça veut dire que si je mets IP Access List Extend et je mets par exemple 20, ça ne marche pas. Il me dit que l'ID 20, il appartient à la plage des ACL standard. Et la même chose pour les ACL étendues. Alors, je vais vous envoyer demain un exercice récapitulatif qui contient tout ce qu'on a vu, un peu plus compliqué que ce qu'on a vu aujourd'hui, juste pour vous exercer concernant les ACL. Donc, je vous l'envoie, vous le faites, et puis je vous prépare une vidéo où il y a tout le corrigé détaillé, juste pour vous entraîner. Non, je préfère pas. Je préfère aborder le dernier TP la semaine prochaine. Si on aura le temps, on peut le corriger. Mais sinon, comme je vous dis, je peux vous préparer une vidéo comme la fois passée où il y a tout le corrigé en détail. Alors, dès qu'on termine NAT, il faudra faire une séance en présentiel. Donc, la semaine prochaine, on va voir le protocole NAT en une séance. Et puis, ça serait bien de faire une séance en présentiel. Pour essayer d'utiliser le matériel. Voilà, donc c'est quand les examens? Je ne sais pas, aucune idée. La semaine prochaine? Et très bien. Alors, si c'est la semaine prochaine, j'aimerais bien qu'on fasse la séance samedi en ligne et faire dimanche le TP. Vous aurez sans fil. Le seul, hein? Et on peut, si on veut, permuter. Donc pendant qu'il fait avec un groupe, moi je fais avec un groupe et puis on permute. Vous voulez vous prendre ensemble toute la section, c'est ça? Prendre deux groupes et aller d'une salle à une autre. Oui, concernant les commandes, on va rediscuter. On va en rediscuter. Oui, mais il y a des supervisés en même temps dans deux salles. Mais... Alors, pour les commandes, je sais pas encore. Alors, au tout début, je vous avais dit de les apprendre.
Mais sinon, je peux vous laisser, je peux vous laisser paquet tracer ouvert et à vous de trouver les commandes. Ouais. On rediscutera si vous voulez concernant le TP de la semaine prochaine. Donc, si on peut le faire en présentiel la semaine prochaine, j'aimerais avoir une séance en ligne samedi. Sinon, s'il n'y a que sans fil que vous voulez faire, on fera le TP4, le dernier. On verra. Donc, il faut me confirmer d'ici jeudi ce que vous voulez. Voilà, donc c'est terminé. N'oubliez pas votre CP à 15h. Le 13 juin. Sinon, on laisse pour le 13, oui. Le temps de terminer tous les TP, oui. C'est comme vous voulez, hein. Moi, ce qu'il me faut, il me faut une séance pour faire sur machine TP3 et TP4 et une séance pour faire le test. Donc, deux séances au minimum. Le 13. Ok, on verra. Donc, on fait comme vous voulez. Du moment qu'on est en avance quand même. Voilà, donc demain je vous envoie un exercice complet. Il y a un peu VLAN, il y a un peu ACL, il y a de tout. Vous essayez de le faire pour vous entraîner. Voilà, donc à la semaine prochaine, Inch'Allah. Oui, demain, je vous envoie un mail complet sur ce qu'il faut faire. Voilà, et n'oubliez pas votre CP à 15h. Bonne journée à tous. Merci.